J'ai chaud. Amélia, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Je sais pas, mais j'ai froid. Je vais demander au gardien et moi j'ai chaud. Gardien! On a froid. Oui. Et chaud. Bah c'est normal, je vous ai mis en prison. Pardon. Toi, Amélia, parce que tu as mis des glaçons dans la nuque d'Elina. J'avoue, c'était froid ça. Donc tu vas rester dans une prison où il fait hyper froid. Et toi, pour avoir mis du tabasco dans les boissons de Amélia, donc je trouve ça inadmissible. Donc tu vas rester dans ta petite prison où il fait bien chaud. C'est pas du tout vrai. Alors là, absolument. Je peux vous laisser lire, il y a toutes les preuves. Ah, j'ai... Il y a pas ma signature pour que je sois en prison. Ah bah ça, on demande pas votre avis. Hein. Moi, je suis dans une cellule chaude. Donc voici. Regardez, là, j'ai des murs rouges pour vous montrer la chaleur. Et là, un petit radiateur a déjà 26 degrés. Voilà. Bon, pour l'instant, je suis un peu sur la plage. Mais après, ça va monter. Et je vais arriver à 50 ou 60, je sais pas. Ça sera la canicule dans ma cellule. C'est trop froid. Il y a le ventilateur. J'ai même pas envie de me rapprocher, je préfère rester là. Les murs, ils sont tous froids. J'ai pas envie de se rapprocher aussi. On dirait que je suis dans un igloo, j'ai trop froid. Une petite question, pourquoi j'ai la tenue sale? On n'a pas trop les moyens, donc on t'a donné la tenue de l'ancienne. Ah oui, d'accord. Vous avez les moyens pour acheter un radiateur pour que j'ai chaud jusqu'à la canicule. Et pour une nouvelle tenue, vous avez pas, ok? Bah, on choisit où on met notre... Amélia, je viens ici parce que le médecin m'a demandé de te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu t'es fait au bras? S'il y a besoin d'avoir un traitement particulier par hasard? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis tombée au skate. Ah, c'est pas ouf ça. T'en as pour combien de temps? 20 jours. 20 jours? Ah oui, quand même. Mettez des likes pour soutenir, beaucoup, beaucoup de likes. Hé hey, gardien, je m'ennuie, je sais qu'on a des punitions, mais y a rien à faire. Donc donnez-nous les punitions maintenant. Eh ben vous avez bien raison, parce qu'on va faire plusieurs challenges. Et je pense qu'on va directement pour commencer par le premier challenge. Bon, faites pierre, papier, ciseaux. La gagnante commence. Ok, Amélia, tu commences. Ah non, tu es moi, j'ai dit la gagnante. Il fallait écouter les règles, il fallait écouter les règles. Eh oui, il faut écouter les règles. Allez, c'est parti. Bon Amel, voici le premier challenge. En fait j'ai perdu mon jouet à l'intérieur et du coup faut que je... Jouer? Bah oui, j'ai le droit aussi de jouer moi aussi. Je vais te laisser 30 secondes. Si t'arrives à retrouver mon petit jouet en moins de 30 secondes, bah je vais te laisser sortir de prison plus tôt. T'es prête? Mmh. 3, 2, 1, go! C'est froid. Ah, ça va être pas facile en plus dans ta cellule, il fait assez froid je pense. Bon bah c'est grand. Oh, j'ai le bouton joué mais... Ah c'est mon jouet préféré donc t'as intérêt à me redonner. Il te reste 10 secondes, dépêche-toi. Je vais me dépêcher. 5. 4. Merci beaucoup, je suis trop content. Réchauffe ma main s'il te plaît Elina. Non. En plus, ça va sortir avant moi, c'est une blague. Bah oui, vu qu'elle a gagné et qu'elle a fait moins de 30 secondes, je valide et je suis content d'avoir retrouvé mon jouet. Pourquoi tu rigoles? Non, rien. Tu rigoles sur mon jouet là? Non. Je vais te rajouter 30 minutes. Non, mais ceux qui se moquent de mon jouet, je rajoute 30 minutes, hein, je rigole. Mettez des likes si vous aimez. Si vous aimez l'hiver. Maintenant c'est à ton tour Elina. Et en fait comme je suis extrêmement maladroit, j'ai par hasard fait tomber mon deuxième par jouet hasard. Préféré. Vraiment par hasard. Ouais. Et il y a mon deuxième jouet préféré à l'intérieur de ce sable. C'est pas un sable comme les autres parce que je crois qu'il est un peu brûlant hein. 60 degrés. Et oui. 60. Bon ça commence à baisser, t'as de la chance. Mais allez tu commences. T'as pareil, je vais te laisser 30 secondes. Bon, si tu trouves pas être à ta place. Amélia, te plains pas parce que ma cellule est presque à 50 degrés. Donc chut, merci. Je préfère être à ta place. Bon allez, moins de blabla, 30 secondes à partir de 3, 2, 1, go. Mais je peux pas. Ça, j'enlève d'abord ça. Ça va te rappeler l'été au moins. Ah, déjà, j'ai mes pieds qui brûlent en été. Ah bah t'as de la chance, il te restait que 4 secondes à la fin. Tenez. Donc oui. Voilà mais vous deux allez jouets, me payer, bon. Mais même. Oh il est brûlant. Voilà. Ah là là, je sais pas comment t'as fait. Mais Amel, d'abord t'es une tricheuse va. Hop hop hop. Bon bah du coup comme t'as gagné,
Tu es pareil en égalité avec Amélia. Moi, 30 minutes. Je sais pas pourquoi, mais je vais t'obliger à porter ça. Vous êtes terrible. Ah oui, un petit bonnet comme ça. Dans ma cellule, c'est presque l'été. Et vous me donnez un truc pour te protéger en hiver. Oui. Donne-le-moi si t'as pas envie. Donne-le-moi. Non, j'ai pas envie que tu gagnes. Donc je vais le mettre, sinon après il va me mettre encore plus de 30 minutes dans la cellule. Ouais, non. Oh, que j'aimerais trop manger une raclette bien chaude. Mais j'ai trop froid. Bon Amel, on se retrouve pour un nouveau challenge. Alors devant toi t'as plusieurs bouts de glace. Non mais j'ai fait glace, donner des glaces. Ouais. Ça sert à rien de retenir les goûts, je vais tout mélanger. Hein. Je, oh, je veux des glaces. Ah, malade. Hop, pas de glace. Bon. Il fait trop chaud là, je vais trop. Ton but sera de deviner le goût des 5 glaces. Si t'as 5 sur 5, tu gagnes. Franchement c'est pas très dur hein. Allez, mets le bandeau, je vais mélanger et je vais te mettre la première glace, ok? Hop, tourne-toi. Allez. Ok, je goûte. Est-ce que c'est bon déjà? Oui, mais je commence à avoir un peu froid. Je sais qu'est-ce que c'est puisque c'est ma glace préférée, c'est à la mangue. À la mangue? Alors donne-moi ça, je vérifie bien parce que j'ai déjà oublié vu que j'ai tout mélangé. Alors, et raison. Yes. R. Ok, on enchaîne pour la deuxième glace. Quoi? Tiens. Ok. Ça va les dents, ça grince pas trop, pas trop froid? Si froid. Myrtille, j'en suis sûre. Alors, laisse-moi vérifier ça. Et non. Il y a des myrtilles, mais tu t'es trompé. C'était aux fruits rouges en fait. Oh. Bon bah, est-ce que tu veux quand même goûter les autres glaces même si t'as perdu? Non. Non. Non, tu veux pas? Non, j'ai trop froid. Bon, bah c'est dommage. Et Elina, tu veux de la glace? Ouais, je veux de la glace. Tiens, je vais te donner un peu de glace. Non, non! C'est vrai. Elle rêve pas trop, on est en prison ici. Pour punition, tu vois, le ventilateur derrière toi là? Et bah tu vas le mettre à la puissance maximale pendant 10 minutes. Non. Et oui. 10? 10 minutes. Ah bah parfait. Mais non mais en fait oui c'est oui bon, comme ça. Comme ça l'air est bon. Tu viens ici, on reste pas au fond de sa cellule. Non non non. Tu viens ici et tu me rends le masque par contre. Non. Bah je reste ici 10 minutes. Bon Elina, pour Amélie j'ai fait évidemment le côté froid. Pour toi je vais un peu te donner du chaud, donc pimenter tout ça. Donc là je t'ai donné du bon KFC, mais alors déjà les hot wings, il y a déjà le mot hot wings, elles sont déjà piquantes. Mais alors j'ai décidé de rajouter plein de sauces. Il y en a une qui sera avec la moutarde, du tabasco, sauce samouraï. Bon, samouraï pour moi c'est la plus gentille, c'est du cadeau. Wasabi et une sauce pimente, forte. Pour moi le plus dur ça sera le wasabi, hein. On sous-estime trop ça. Et évidemment bah le très connu tabasco. Ouais. Apparemment j'ai entendu que t'aimais ça. Hein. Absolument pas, j'ai pris un camélia avec. Amélia, là, je vais manger du bon kaïsé. Du coup, ça sert à rien de retenir, pareil, je vais tout mélanger. Je vais te laisser un temps, je vais pas te limiter en temps. Donc allez, c'est parti, quand tu veux. Ok, commence par cette sauce-là. Et faut bien mordre dedans, hein. Et pas de gaspillage, on mange tout aussi. Tabasco. Ah oui, j'ai oublié de préciser... Chut, j'ai mal. Ouais bah c'est pour ça que j'ai oublié de te dire, en fait en ce moment il y a une rupture de stock de lait. Donc pardon. Oui et l'eau aussi, les canalisations sont bouchées donc il n'y a pas d'eau pendant un petit moment. En plus j'ai chaud avec mes oreilles là, les poignets, ok c'est bon continue. Allez tu continues, ok. Non c'est quoi? Ah, tu l'as déjà fait ici. Et c'était quoi la sauce du coup? Tabasco. Oui. Bravo. Donc on part pour cette sauce là. Moutarde. Très bien. Et c'est chaud quand même. Allez. C'est bon, devant toi, t'as la troisième sauce. Celle-là, elle est pas. C'est hot et c'est samouraï. Oui. J'ai quand même chaud après le tabasco là. Allez, t'enchaînes sur une autre sauce. Mais. Ne pars pas. Goût de ketchup. Hot. Ouais. La gorge. Ah ben là, c'est sûr. Mais je vois que tu manges pas trop, hein. Elle a pas trop faim, hein. Et allez, à ta gauche, ouais, ça c'est la dernière. Le meilleur pour la fin. Bon, allez.
Oh lolo. Mes lèvres. En plus t'as pas trop de toilettes dans tes cellules donc. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. J'ai trop mal au crâne en plus. Dis-moi ça alors. Attends, attends. J'ai tout qui brûle là. Wasabi, voilà. Très bien. Wasabi. Bon bah voilà. Moi j'ai pas d'eau pour toi, désolé comme je t'ai dit. Et ni je de lait. Je déteste. J'ai super chaud en plus là. Bah ouais, c'est le but de la punition. Ça t'évitera de faire subir aux autres ce que t'as pas envie de te subir. Ah, je baisse la température là. Non, non, non. J'ai même augmenté. J'aurais pas dû parler. J'aurais pas dû parler. J'aurais pas dû parler. J'ai chaud. J'ai froid. Si vous voulez que je passe 24 heures dans la cellule froide et Amélia dans la cellule chaude, mettez-nous 30 000 likes sous cette vidéo. Vraiment 30 000 likes. 30 000 pour 24 heures. Oh, j'ai trop froid. Elina, t'es comment toi? Pas du tout bien, je suis juste fatiguée, j'ai envie de dormir. J'ai beaucoup trop chaud. Mon cœur. Mon dieu. En plus, après ce que j'ai mangé comme KFC, toute ma gorge est brûle. J'ai chaud de l'extérieur et plus de l'intérieur. Et moi, j'ai froid partout à cause de la glace. J'en ai marre du ventilateur, j'ai trop froid. On se réveille, hop hop hop. Je dors pas, j'ai froid. On se réveille, on se lève, on se lève. Non mais tu vois le chaud ça fait. On se lève. Allez Amélie, je t'autorise d'éteindre le ventilateur là. Oui. Quand même, toi aussi tu peux éteindre si t'en as envie. Bon, en fait, avant que tu viennes dans la cellule, j'ai laissé mes chaussettes. Et elles ont un peu pris froid. Donc je veux bien que tu me les tries par paire s'il te plaît. Comme ça j'ai les chaussettes noires avec les chaussettes noires. Et les chaussettes blanches avec les chaussettes blanches. Oh, nickel. Bon, je vais quand même pas te laisser toute l'éternité parce que je suis pressé et je vais te donner aussi 30 secondes. Hein. Ok. Attends un peu. 3, 2, 1. 30 secondes, c'est lancé. Fais gaffe, il y a pas mal de terre. Hein. Ah, mais je sais dismi. Mais c'est pas crème, Amélia. Quand ça brûle, ça rechauffe. Ok, t'as une première paire. Il te reste 10 secondes. Non, j'en ai pas une, j'en ai deux. Écoute-toi. Chut. 5. J'en ai 3. 4, 3, 2, 1. Un bataille, chouette. Mais il y en a un qui est tout seul, hein. Ah non. Ah ben, c'est la machine à laver, hein. Il y a toujours une chaussette qui se perd. Bon. Bon, t'es quand même sympa, mais t'as perdu, hein. T'as pris plus de 30 secondes. Voilà. Bon, je pourrais avoir mes chaussettes triées par couleur, s'il te plaît. Tu es nul. Chut. C'était facile. Chut! J'avais les pieds verts. Le radiateur, donnez-moi une petite paire de chaussettes froides. Ah non, désolé, c'est mes paires. Challenge suivant. Allez, gardien! Prochain challenge, les pieds. Ah, t'es si pressé de faire ça. Oui, pour ça. Parce que quand t'étais petite, ou même peut-être aujourd'hui toujours, t'as déjà joué au jeu de la patate chaude. Non. Mais si, tu sais, le jeu où t'as un ballon et faut pas le garder plus de 5 minutes. Alors, si tu faisais ça avec une patate. Et bah en fait là tu vas vraiment jouer au jeu de la patate chaude. Faut que tu prennes une patate et que tu l'arrives à la tenir pendant 30 secondes. C'est vrai que c'est chaud? Ah bah vas-y. Oh. Ah mais toi t'es insensible. Alors je vais allumer l'horloge. Je vais lancer le chronomètre et tu vas prendre une tomate. Une? Oui, c'est une patate d'abord. Tu vas prendre une patate, désolé. Allez. Deux? Trois, non une seule. Et tu vas la tenir. 3, 2, 1, go. Je peux changer de merde. Faut pas qu'elle tombe juste. Ah, mais je suis choqué en fait, vous êtes devenu insensible au froid et au chaud. Moi je pourrais pas la tenir plus de 5 secondes là en fait. Fais gaffe, il te reste 10 secondes hein, tu te rates pas. Je jongle, non je rigole. Je peux pas me faire tomber par terre. Ah non, faut juste pas le tenir. Ah, je vais pas tomber par terre. Et bravo. Den. Voilà. Alors là pour ça. Bon alors, montre tes mains un peu à la caméra là. Pas du tout. Ah oh, ça va, un petit peu rose, tranquille, y'a rien. Pardon. J'ai chaud. Tiens, regarde, touche mes mains. Alors j'ai tenu quelques secondes, pardon, c'était tes doigts. Je
vous déteste, ok? Bon bah bravo, hein. Je t'enlève encore 30 minutes de moins. Je crois qu'il y a un petit avantage pour qui là? Mais pour l'instant, Elina gagne face à Amélia. Amélia, va falloir te rattraper là. Hop hop hop. Qu'est-ce qui t'arrive? Le froid te gélifie complètement là. Tu vas devenir une... Même le cerveau. J'ai trop soif, je vais mourir de soif. T'as soif? Bon bah si Amélia réussit son challenge, je pense que t'auras un verre d'eau. Moi j'ai pas de chance, j'ai froid. Bon Amel, regarde-moi ces glaçons, regarde-moi le verre. Tu vas prendre les glaçons, tu vas les faire fondre avec tes mains pour donner à boire à... Bah comment je fais si j'en ai un qui... Bah tu utilises que ta main droite, fallait pas faire la folance Kate. Oui. Bah bravo, bon tu prends pas celui-là parce que bon, il faut des glaçons propres. Oh bah il s'est passé, j'ai un verre. Bon tu prends et tu le fais fondre. Bon, je sais pas si t'as encore les mains froides. C'est pas grave, mais après ça devient chaud. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux abandonner, hein. Mais bon, du coup, ta grande soeur va mourir de soif. Donne. En vrai, ça va. Eh ben, Elina, regarde ce qu'elle peut. Est-ce qu'elle fait pour toi quand même? T'es sérieuse, Amel? Amel! La table, elle est sale, je vais pas boire ça. Oh bah t'es en prison hein. Tu restes toujours, on est pas d'hôtel 3 étoiles ici. Bon, je vois que t'as même pas réussi à avoir une goutte d'eau, Amélia. Mais c'est froid. Je sens plus ma main, Elina. Et Amélia, donne-moi un glaçon, c'est un seul glaçon. Par le haut, non. Mais qu'est-ce que vous faites là? Hop hop hop, arrêtez, non. Non non non, c'est de la triche tout ça là. Amélia, t'arrives même pas à envoyer un glaçon pour ta petite dame. Je lui ai envoyé, elle me l'a redonné. Allez stop stop, y'a pas rien, c'est bon. J'ai des gouttes. Ah bah regarde, y en a un tout petit peu là. Amel, un glaçon. Tiens, si t'as soif. Tu veux pas, hein. Y'aura pas d'autre. Amel, un glaçon. Non non non, y'a plus de glaçon. Non. C'est fini. Bon Amel, je pensais pas que t'allais lui faire ses glaçons hein. Tu l'as quand même donné un peu à boire. Mais bon, elle fait la diva. Elle fait la prison. Waouh, du thé bien chaud. Du thé bien chaud, moi je préfère du thé bien frais si tu veux. Et non. C'est quoi le challenge? Alors le challenge c'est simple. Tu vas devoir déterminer la température de chaque tasse de thé. Je te laisse une petite marge erreur de, allez, 5 degrés. 5. Tu touches avec les doigts pour savoir si... Alors, la température de mon corps c'est 36 et le maximum que je peux pas boire c'est 100. Tu penses que c'est du 60 degrés là? 52. 52, oui. C'est ton dernier choix? Oui. Alors on va vérifier ça rapidement, ça prend un peu de temps mais on met ça. Et on va attendre 5-10 secondes là, le temps que ça se fasse. Quand ça commence à monter. J'espère. Ça va 35. Oui, peut-être pas que ça c'est du 35. 45. Ah. Non mais ça prend du temps, faut laisser. J'ai dit combien déjà? Tu as dit 52. Ah, touche pas. Si ça monte encore. J'avais dit 60. Si ça dépasse 57, t'as perdu. Oh, mais non. Ah. Ah, s'il te plaît. T'as vraiment dit 52? Oui. Moi je suis plus sûr. C'est bon? Attends, si dans 5 secondes ça change pas. 3, 4, 5, 6. Je suis choquée. Allez, le deuxième. Celle-ci est un peu plus foncée que le premier. Bon, ça veut rien dire hein, sur la température. Non, alors, ça fait. Est-ce que c'est plus chaud? Alors, quand j'ai la migraine, je suis à 39. C'est la fièvre, c'est pas la migraine. Fièvre. Mon crâne, il a un peu. 40. Non, qu'est-ce que tu racontes? Allez, donne-moi une température là-haut. 39. 39? Allez. J'aurais dit 49. T'en mets pas, t'en mets pas. Bon, pareil, on va laisser un peu de temps. Donc, t'as dit combien? 39. Okay. Ah, 31 déjà? Ouais, c'est bon, j'ai perdu. 35. Ça monte doucement. Je pense que j'ai gagné. Ouais. Je crois que là, ma marge d'erreur de 5 degrés est un peu trop facile pour toi. Hein. 37. Ah,
pensais que c'était 9, 1, 9. Non, c'est 37. Eh, hey, mais c'est que t'es forte, hein. Bon, je valide. Mais je vais baisser ma marge d'erreur pour le dernier à 3 degrés. Parce qu'en fait, 5 degrés, c'est... Je pensais pas que t'étais aussi forte, hein. Mais je m'impressionne. Alors, dernière tasse, là. Je te laisse 3 degrés de marge d'erreur. Ok, ouais. C'est plus chaud. Attends, mon crâne, il est à combien, là? Mais ton crâne, il est à 1000, là, dans ta pièce. Ah, mais laisse le verre. Oh, mais toi, tu profites trop, là. C'est plus chaud. Donc ça, ça faisait 37. Donc ça, ça c'est dur. 43. 43. 45. Okay. Si c'est entre 40 et 46, t'as gagné, hein. J'aurais dit 40. Si c'est pas entre 40 et 46, t'as perdu. Bon. Attends, j'ai mal. Alors, 32, 38, ça monte petit à petit. 46, j'ai dit. Ouais, t'as dit 46. J'ai dit 46. Elle a dit 46. Elle a dit 43. Ah, 43. Montez. Chut, chut, 43. Ah. 40. Si ça dépasse 46, là, t'as perdu par contre. Oh. 41. Eh ben, on attend un peu si ça change pas. Juste, s'il te plaît. 42. Bon, je pense que t'as gagné ça. Mais j'ai trop vraiment forte. Sur cette vidéo là, sur cette épreuve, t'es. Amélia, toi, t'es. Bête tout, ça. Alors en toi t'es nul et en plus tu touches mon thé. Elle est congelée là en fait. Amel. En plus t'as pris le thé le moins chaud. Bon, bravo, on passe à la dernière épreuve que vous allez devoir faire en même temps. C'est cool, on aura enfin du massage. Même si j'ai chaud. Tu crois que tu vas réussir à te détendre avec nous à 50-60 degrés là? Non, je vais surtout crier, mais bon. Pas et toi, Amélia, avec ton petit bassin. Bon, je pense que vous avez compris, hein. Vous allez devoir vous mettre vos pieds et. Une battle. Et ça va être un battle, hein. Attends, faudra que vous vous mettez en même temps. Là, je suis sûre que ce sera le challenge le plus dur. Donc, pour me soutenir. Nous soutenir. Non, pour me soutenir, t'as pas vu. L'eau, elle est froide. Likez la vidéo. Bon, allez. C'est parti, vous êtes prêtes? Non, attends. 3, non. 2, 1, les deux pieds, hein. Attends. Et la 3, première qui sort même un pied, 3, ou même un doigt de pied, 1, elle perd. Vrai. 3, 2, 1, go. Allez, allez, allez. Ah, Amel, allez. C'est bon, j'arrête. C'est bon, et Lina, ça sert à rien que tu restes longtemps, elle a même pas tenu une seconde. Oh mon dieu, c'était brûlant. Plus que le sable était, oh mon dieu. Ouais, c'était pour moi qui était brûlant, Elena. Alors là, tu peux essayer, tu vas mourir. Bon bah... C'est bon, j'ai gagné, je peux sortir de cette cellule. Il te reste encore quelques heures, allez hop. Je vais vous laisser, moi je vais manger. Hein. Je vous laisse un peu... Et on mange pas? Non, il n'y a pas de ça. Non. Bon allez, bisous. Si vous adorez l'été, mettez des likes. Oulala, là là, dans quel état vous êtes? Ouais, je pense que... Oula. Oh, Amélia, t'as carrément des glaçons qui ont poussé. Mettez des likes pour ceux qui aiment l'hiver. Moi, je préfère l'été. Bon, allez, c'est bon. On sort de la prison. Je vais vous faire sortir de la prison. Merci. Viens. Oh, t'es chaude. Ton corps est froide. Tiens, mets ma bonnette si tu veux. Ah, là, il y a les glaçons. Ben, c'est tes cheveux qui ont glaçonné. Bon, allez, viens. Amélia, on fait plus la paix, on fait la paix, plus de prank. Allez, promis. Ça vaut pas la peine d'aller en prison pour ça. Comme vous pouvez voir, on a échangé de place. Maintenant, je suis dans la prison chaude et Elina dans la prison froide. Ici, il fait froid, donc j'essaye un peu de danser, de bouger. Pour l'instant, j'aime bien parce que j'ai chaud et je me crois un petit peu en été parce que... la température elle est bien pour moi, elle est chaude. Mais je pense que je suis en train de devenir toute rouge. Yes! C'est le matin et on attend notre gardien qui est en retard au travail. Ah, c'est pas bien ça. Non, non, non. Bonjour, bonjour. Allez, levez-vous, levez-vous. Vous êtes en retard. Ça arrive, allez, c'est bon. Bon, je dois encore voir vos têtes pour 24 heures là, j'en ai marre de vous voir. Mais bon, c'est parti du coup pour 24 heures en prison. Bon, comme c'est le matin, on commence par... Se laver la plage. Je pensais au petit déjeuner, mais ok mesdames, je vais vous rapporter ça tout de suite. Oh, vous êtes sérieux? Regarde, c'est chaud.
Non, de l'eau brûlante. Bah c'est pour que tu laves bien le visage, ça fait partir les saletés. Pourquoi t'es surprise des prisons chaudes, donc tu te laves le visage avec de l'eau chaude. Ah, tu vas vraiment réussir à te laver avec cette eau? Pas comme si le matin je me lavais avec de l'eau chaude, mais un petit peu moins que ça. Oh, la serviette chaude ça va encore je pense. Hein. Non. Ah non? Allez, 5 secondes dedans. J'ai peur. C'est pas comme ça qu'on se lave le visage. Chut. Ok, si tu veux. Allez. Tu sais pas comment elle est chaude. 1, 2. Tu dois refaire, tu dois refaire. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors c'était brûlant. Ah ben, t'as oublié ou quoi? Faut souffler hein. Je vais faire ça, elle va se refroidir. Dans des salons, je crois que c'est utilisé comme massage. Donc pour de la prison, là, vous êtes au luxe. C'est bon. Si vous aimez ce genre de challenge, n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo. Bon, je crois que c'est à temps pour Elina. J'ai aussi vu que les douches droites le matin c'était bon pour la santé, donc voilà. La santé. Et en plus, vu que t'es dans une prison froide, bah c'est des logiques hein. Attends. J'ai pas fait de jaloux hein. Exactement, une serviette et le même bol d'eau. Enfin, presque le même bol d'eau. À différence que celui-ci est à 0. Allez, 5 secondes. 5, ok. Allez, 3, 2, 1. Pourquoi je l'ai dit? Tu peux se laver le visage? Je regrette. Tu prends la salle? Bon, allez, soit tu restes sale, soit bah. Ok. Bah, sinon tu gagnes pas de points. Ok, on va gagner. 3, 2, 1, go! T'as rien dit. Rentrez juste là. Bon, je pense que je vais te disqualifier. Attends! 3, 2, 1. 1, 2. J'en fais pas! Ça fait 5! Ça fait 5! T'as même pas fait 3 secondes. Mais ça pique! Oh, les glacés sont là. Yes! Je suis très bien réveillée là. Merci. Bon, au moins, ça réveille le projet. Ça me fait surtout couler le nez. Je vais devenir malade à la fin de ce challenge. Oh, j'ai trop chaud, j'arrive plus à respirer. Oh, j'ai changé d'avis, j'ai trop envie de sortir. Et moi, j'ai mal au crâne. À cause des glaçons. Est-ce que vous avez faim? Oui. Oui. Bon, allez, je vous rapporte le petit déjeuner maintenant. J'ai peur de ce qu'il va nous ramener pour le petit déjeuner. Bon petit déjeuner à vous et prenez des forces. Le matin, c'est important de manger. Bon, Amélia, tu commences? Non, c'est Elina. Bon, allez, Elina, commence. C'est un petit déjeuner classique, des œufs. Voilà. Classique? Bah oui. Classique. Bah, le yaourt, on a pas mis de glace. Ah, de la glace, mais je mangerai ça après. Bon, allez. Yummy! Bah, au moins, ça se coupe. Comment manger ça? Mange le truc au milieu, là, la jeune. Ça se trouve c'est cru. Non, c'est pas cru. T'es malade toi? Non, c'est pas cru, non. Bon, je pourrais pas manger ça, donc le seul truc que je vais manger ce matin, c'est une glace. Moi, j'ai fait cuire ça sur une poêle de glace et toi sur une poêle de... Une poêle de glace? Ouais. Le yaourt, il est bon, c'est comme une glace. Bon. On met pas trop envie d'une glace au matin, quoi. Et là, toi, t'as de la chance, au moins, t'as une glace et moi, c'est vraiment un yaourt très chaud et fondu. J'aime pas. Donc... Moi j'ai eu du piment, ça c'est sûr que je vais pas le manger. En plus c'est très chaud Elina. Là je voulais juste éclater. Bah tu peux pas. C'est tellement chaud que le jaune au milieu a cuit et c'est pas liquide. Il est dur quoi. Il est dur, oui. Et moi je préfère quand il coule, c'est trop satisfaisant. Non. Oh. Bah au moins il est chaud.
Ça va. Je vais goûter le yaourt. C'est vraiment piquant? C'est pas bon. C'est pas à toi. Non mais je regarde. J'avoue que le plus pire truc, c'est de manger un yaourt chaud. C'est pas du tout bon. On dirait une glace fondue. Chaude. Allez, mange ton. Moi je peux pas dire. Ben, bon. Ça reste quand même une prison, donc on a des temps pour manger. Dans quelques minutes, je récupère. Alors mangez le plus possible. Comme ça, on va faire ça. Je rappelle que le petit déjeuner est très important. Hein. Bon, Elena, nouveau challenge pour toi. The floor is ice. Bon, très simple. C'est un peu, tu vas faire le contraire de The Floor is. Tu vas cette fois-ci mettre tes deux pieds sur les glaçons. Les deux pieds. Ouais, bien à plat. Et en même temps, manger cette magnifique glace. J'ai gagné une glace, mais. Voilà. Donc, tu prends les deux glaçons, tu les mets dans ta cellule. Tu mets tes deux pieds dessus et je te chronomètre. Tu vas devoir tenir plus longtemps que Amelia pour gagner. Ok. Allez, t'es prête? Donc, je vais lancer le chrono qu'une seule fois. Hein. Dès que tu mets tes pieds, je lance le chrono. Hein. Si t'enlèves ne serait-ce qu'un pied, j'arrête le chrono, ok? Alors, t'es prête? Quand tu veux. Mets les deux pieds d'un coup, s'il te plaît. Je mange ma glace? Bah, dès que tu seras sur. Ok. Allez, j'ai lancé le chrono. Mes spots, aïe! On a brûlé. Ça va brûler. Ça va devenir chaud. Attends, je dois. Tu vas finir collé sur les deux glaces, moi. Hein. Non, je vais pas monter. Vous êtes en train de. Bon, en fait, si vous voulez que je perds. Mmh. Fais gaffe de pas glisser aussi. Je sens plus mes pieds. Jusque là. Ça fait 35 secondes. Encore. Ah, mais il va pas tenir dans le jeu. Aussi, pour te prévenir, il n'y a pas l'infirmière à la prison, donc. Yes. On va faire bientôt. Ah bah hop, 53 secondes, fallait pas faire la folle. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais gagner. 53 Amelia, donc tu vas devoir battre Elina. Une minute. Pour nous soutenir, moi et Amelia, parce que là je suis en train de crever de froid et Amelia de chaud. Mettez-nous beaucoup de likes, vu qu'on a déjà vu que vous étiez capable de exploser la barre des likes. Bon Amelia, à ton tour maintenant. Tiens, mets ces deux. Petit cube, enfin un rectangle plutôt, en longueur, comme ça tu peux marcher. Voilà, bravo. Tiens, je te donne une glace fondue. De la glace, un peu chaude, fais gaffe. Ah, ça brûle. Et maintenant, je vais t'ajouter du sable brûlant. Pour faire le challenge, the floor is lava. Bon Amelia, même chose que Elina, tu devras rester le plus longtemps possible sur ce sable brûlant et manger ta glace bien chaude. Je te rappelle que tu dois battre 53 secondes de Elina, ok? Je peux me promener autour? Oui, tant que tu restes sur le sable, oui. Et quand c'est trop brûlant, tu remontes sur ce cube, ok? Dès que tu mets un pied sur le sable, je lance le chronomètre. C'est parti! Le sable. Vous voulez pas, faut manger la glace! Je l'ai mangé là. Enfin, la glace, si on peut faire encore une glace. Ça fait déjà 13 secondes, comment tu te sens? Ah bah ça c'est sûr. Hein. On dirait qu'on est à la plage. Mais il y a le sol. Ouh. 30 secondes bientôt. Il y a des glaces, les glaces. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Tu vas attendre les 40 secondes là. Oh, j'ai un chocolat. 48 secondes. Ah, je crois que t'as battu Elina. Tu peux. Ouais. Ah, c'est carrément trop simple pour toi. Eh ben, j'aurais dû chauffer plus le sable. Hein. Ah, c'est bon, j'en veux plus. Ok, 1 minute et 4 secondes, félicitations, t'as battu Elina. Quand on sort, j'ai trop chaud, on dirait qu'on est plus d'un jour ici. Moi je suis fatiguée à cause du froid. C'est plutôt moi. Je sens plus mes mains, ils sont gelés. Bon, après ce petit challenge là, ça vous dirait pas qu'on vous changez de vêtements un peu là? Si, ramenez-moi un pull. Et voilà pour toi.
T'as tes vêtements, t'as des gants encore si t'as froid aux mains. Donc ouais, voilà, ça peut te servir. Pardon. J'aurai encore plus froid avec ça. Bah c'est dégueu. Vous pensez vraiment que vous allez m'aider avec ça pour me réchauffer alors que là vous êtes en train de me transformer en igloo? Bah c'est des gants pour toi quoi. Elina t'aime pas, donne-les moi. Je vais me transformer. Donne-les moi. Bonhomme de neige. En plus Elina t'as de la chance, bah j'ai cassé un peu les glaçons pour que tu puisses tes vêtements. Mon pull préféré. Ah bah c'est parfait, donc voilà. Ah y'a tous les glaçons qui sont là. Je trouvais les tenues orange moche, du coup voilà. Bah c'est sûr qu'en orange je suis pas belle hein. Non, toi tu touches pas. T'auras tes vêtements, attends un peu. C'est vrai. Je reste combien de temps avec les vêtements? Bah toute la journée, les 24 heures. Bon allez, 30 secondes après t'en fais ce que tu veux. Hein. Oh merci. Attends, je vais te la mettre. Bah t'as qu'à. Elina, t'as qu'à le réchauffer le pull et après tu pourras le garder. Oh, crue-toi. T'aimes bien la couleur des chaussettes? Oui vraiment. La prison elle est bleue. Je suis en orange, j'ai des chaussettes vertes. Et j'ai des gants en zèbre. C'est sûr là je vais pas à la Fashion Week. Hein. Waouh. Tu sais, ça va peut-être revenir à la mode, hein. Tu sais, moi je suis en avance. Sur le temps. Ton retard. Comment? Mais c'est. J'ai froid. Je les mets dessus mes chaussettes, hein. Pas comme ça. Non, en fait, je vais enlever cette chaussette. On veut pas voir ton pied. Hein. Oh, j'ai envie d'être à ta place, Elina. Ça, c'est faux. C'est froid. Ça, on ne pas rentrer. C'est froid. Donne-moi un grand pain, s'il te plaît. Sérieuse? Je sens plus mes deux pieds. Ça rentre pas. Ça rentre pas. C'est même pas à ma taille. Hop hop hop. C'est pas à ma taille. J'ai rien. 30 minutes. 30 secondes. 30 secondes. Sinon je peux enlever déjà le pull. Ah bah non, 30 secondes avec la tenue complète. Mes deux pieds sont plus inexistants. Ils sont inexistants. Je crois que le froid comme le chaud ça rétrécit les vêtements. Hein. Ouais, malheureusement. Je vais aller chez ma grand-mère pour te donner ça. Et tiens. C'était le vintage en ce moment, ça revient à la mode. Et un petit bonnet. Je te le donne. Habille-toi et va bien près de ton radiateur. Oh. C'est bon. Bon allez, 30 secondes, c'est fini. Et ben. Le plus je le garde. Tu gardes pas? Ah tu gardes. Le plus je le garde. Les fesses froides là. Ah non, c'est soit tu gardes tout, soit tu gardes rien. Le pull je vais l'enlever parce qu'avant c'était un glaçon, mais là il a réchauffé. Non, là il a fondu et ça devient de l'eau. J'aime pas, c'est très désagréable. Et en plus c'est froid aussi. Ouh, il est froid. Ça va être un peu trop la diva. Hein. On vous donne des vêtements propres et tout. Et tout, oui. Et toi, Amélia, montre-nous ton style un peu. Au moins, les secondes se perdent. Je suis pas à côté de ça. Allez, tu retournes là-bas 30 secondes. 10, 20, 30. Je sais pas compter. Je transpire comme jamais, j'ai trop chaud. Je pense que je vais m'évanouir. Amel, rapproche le radiateur ici. Sur l'autre côté. T'inquiète pas, les murs sont très bien isolés. Hein. Bon, allez, c'est bon pour toi là. Non, mais ramène par ici. Tiens. De la côte. Non, mais pas. Tiens. Un bonnet, c'est pour mettre déjà sur la tête et tu vas me le rendre tout de suite là. Oh, oh, oh. Tu vas rester alors plus de 24 heures. Non, t'es mis en fait. Ouais, c'est ça. Allez, je vous reprends ça. Bon, allez. Je reviens vers vous plus tard, hein. Je vous laisse un peu. Elina, tu vas bien? Ouais, super, je suis en train de compter les glaçons que j'ai dans ma cellule. Et toi? Oh, t'as des glaçons? Oui. Oh, tu peux m'en donner un, s'il te plaît. Tiens, oui. Débarrasse-moi de ces glaçons. On arrête de se lancer des choses là, ça va pas ou quoi? On fait pas ça ici. Et où j'en étais?
Il est midi, donc on va manger. Allez, direction la cantine là. Yes, je vous rapproche. Au moins, je vais un peu me réchauffer à la cantine. C'est bon, j'avais bien du ni chaud ni froid. Moi, je me suis rafraîchie. Merci beaucoup. Alors, ce midi, vous allez voyager en Italie. Donc voilà, moi qui aime beaucoup l'Italie, je vous ai fait une petite soupe de gazpacho. Mais le gazpacho, pour de vrai, on le mange froid, pas chaud. Oui, oui, froid, mais pas congelé. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit. Merci. Merci. Ça va, au moins c'est pas piment. C'est pas... Au moins il n'y a pas du piment. C'est pas mauvais, mais c'est glacé. Ça me fait mal aux dents déjà à cause de la cellule. Au moins c'est mieux que le petit déjeuner, mais je préfère quand c'est froid. Mais il n'y a que ça à manger. On peut manger en vrai du gazpacho glacé. Mais après la moitié d'une journée dans une cellule à 0 degré, pas trop envie là. Oh Amel, t'as trop de chance. Et voilà, on continue donc pour le plat principal de l'Italie. Enfin, très bon. La pizza. Et je crois que j'ai oublié un truc, Amelia. Non, t'as rien oublié. Un peu de piquant quand même, on va pas te laisser comme ça. Beaucoup. Et ben, tac, tac, tac. Encore, encore. Je suis allergique au piment. Non, non. Voilà. Je peux pas mettre ça. Encore. Bonne chance et bon appétit. Merci. Je crois que le gardien il a oublié de mettre la pizza au four. Hein. Allez, mange, c'est une pizza aux fruits de mer. C'est excellent. Hein. Ici, c'est pas mauvais. Là, le côté. Mais au milieu, ça a l'air pas bon. Les moules en plus. Ah. Une fois qu'on nous sert un truc de bon. Et là, il nous met du piment tabasco, on met. Ah ben, c'est trop dur pour manger, alors on va manger ça. J'espère que j'ai pris une part où il n'y a pas de tabasco. Hé hey oh. Avec le temps, c'est pas bon. Allez, vas-y, moi, je mange ta pizza. Et toi, la mienne. Elle est chaude. Ah ben... Là, il y a un problème. Mmh, mmh. Moi, ça pue. Vous voulez boire un peu ou pas avec la pizza quand même? Mmh, oui. Bon, je vous rapporte ça, j'arrive. Beaucoup, beaucoup. Je te... Tiens. Allez, on n'a pas le temps. J'arrive avec votre... Oh. Bon, pour la peine, je vous donne pas à boire là. Vous pensez plus malin que tout le monde ou quoi là? On demande ma pizza délicieuse, ça. Je crois que je vous ai pas vu vous échanger. Vous devenez un peu fou dans cette prison. Hein. Pardon. Bon allez, je suis gentil, je vous passe vos boissons. J'aurais cru des trucs glacés aujourd'hui. Bah oui, t'es dans une prison glacée. Donc regarde, moi c'est pire. Ouais. Des bonnes dégustations. Non, cocktail. Non, c'est bon. C'est glacé, mais c'est un cocktail. Tu veux zigzag. En plus, vous savez que je suis là quand même. Je suis toujours là. Et je suis toujours là. En plus, j'avais goûté la pizza Amelia. Ma bouche, elle était en feu. Heureusement que j'ai ça. T'as l'air de boire ça un peu trop facilement. Allez. Bon. Et toi, bois avant que je reprenne. Allez, bois. Faut tester quand même. J'ai fait un d'efforts, Red. J'ai mis même une petite décoration que j'ai pas fait à Elina. Ah, mais on va gorge. Pourquoi j'en ai bu trop? Oh, du pain. Je pense que je peux tenir encore le 24 heures parce que là, à l'intérieur de mon corps, j'ai chaud à cause de la pizza que j'ai mangée de Amelia. Du coup, ça m'a un peu réchauffé. Et en vrai, là, ça va, je suis bien. Mais je pense que je vais vite re-avoir froid bientôt. J'ai la bouche en feu. Le jus, il m'a carrément donné de la sauce piquante. Mettez des likes parce que peut-être, comme ils sont bleus, peut-être qu'ils vont me rafraîchir. Bon, je crois que vous vous ennuyez un peu, donc un nouveau challenge, ça vous tente? Oui, mais pas froid, chaud. Ouais, ouais. Non, froid. Froid et chaud, allez. C'est parti. Ah, des bons raisins. Hop, 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 pas touche. Oh, bah ils sont congelés, je pensais qu'ils étaient pas congelés. Mais tout est congelé, repose-moi ça. Je vais te proposer un challenge. Le but, ça sera de mettre le maximum de raisins dans ta bouche. Et garder ça le plus longtemps possible dans la bouche. C'est faux. Ok, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et de 7, 8, 9, 10, 11. Mais t'es une plus grande. On dirait un docteur. J'en ai mis 11. Tu t'es arrêté à 11. J'en ai mis 11, hein. Ils sont arrivés jusqu'à là, je les ai sentis. Hein. Bon, Amel, pareil. Même principe. Oh, toi, pas douche, je suis toujours là. Hein. Toi, tu vas vite rester ici encore 24 heures de plus toute seule. Hein. Amel, même principe que Elina. Donc, bon, je te laisse deviner. Les 12. Mais pour en mettre 12, je l'ai lâché. Non, elle en a mis 11. Et pour j'en ai 12. Donc, ouais. Donc, ouais. Quand tu veux, allez. Ah, non, pas celui-ci. Il faut d'abord les. Allez, 1. Ah, bon, bon, bon. Allez. Mais encore plus pire. 2. Mais toujours plus lent. Hein. Tu manges pas, t'as pas le droit. 3. Mange pas. Ouais, oh, mange pas. Elle en a mangé un. J'ai entendu. Oh, la tricheuse. Là, t'es tellement je sais plus le combien de gemmes c'est. C'est combien? 4. Arrête de manger! Non, mange pas! Allez, hop, hop, hop! Ah, mais allez! Bon, je pense que ça sert à rien de continuer là, tu vas pas réussir à. 5. Oh 5, allez! Bon, bah, c'est fini! Stop! Là, il n'y aura pas de chaud et de froid pour ce challenge. Enfin, si, presque. En gros, Amélia, tu devras me citer le plus de dessins animés possible qui se passent dans un environnement où il fait chaud. Et toi, Elina, pareil, mais dans un environnement où il fait froid. Un dessin animé? Oui. Par film. Je sais, je prends un dessin animé film ou un dessin animé série. Amélia, tu commences. Celle qui en dit le plus gagne. Aladdin, Madagascar 1, 2, 3. Non, 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 non. On dit juste le nom des sagas. Madagascar et Roi Lion. Ça fait 3 du coup. Mm-hmm. Peux-tu faire plus de 3, Elina? Ah, il faut dire 4, plus de 4. Ah, yeah. Il faut battre. Amélia. La Reine des Neiges. Ok. Balto. Ouais. Adominable. L'Âge de Glace. Oui. T'as pas beaucoup de films de. Chut! Si, on a plein. Bah, t'as battu Amélia, donc c'est bon. Masha et Mishka! Masha et Mishka! Non. Masha et Mishka! Ouais, dans tous les cas, Elina t'en as cité 4. Et Amélia t'en as cité que 3. Bah, tu pouvais. Dis-moi citer... un autre. Bah, t'avais cité le Roi Lion? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à citer? Vaiana. Vaiana, oui, t'as raison. Il y avait Vaiana à citer. Avatar. Aladdin aussi. Non, Aladdin. Allez, on enchaîne sur la culture générale. Même principe, mais maintenant Amélia, tu vas me dire des pays où il fait chaud. C'est pas moi qui commence. C'est toi, allez. C'est toi qui commence. Le plus de pays où il fait chaud. Le pays États-Unis. Les États-Unis. Il fait froid. Il y a de la neige, non, ça compte pas. Algérie, Maroc. Waouh, beaucoup. Hein. Chute. Cuba, Mexique. Maldives. Maldives, merci Lina. Bah, c'est pas grave, celle qui tu les donnes des réponses. 5. Merci. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Australie. Oui. Le dernier, Argentine. Ouais, bah ça te fait 7. Alors maintenant, tu dois faire 8 pour battre Amélia. Canada, l'Allemagne. Oui. Quoi? L'Allemagne. Non. Ça bah, compte pas. Bah pourquoi? Bah non, il fait pas hyper froid en Allemagne. Ah oui. Norvège. Oui. Ça te fait 4 là pour l'instant. Islande. Oui, ça compte. Pourquoi qu'elle me batte aussi? Il t'en reste encore, allez, 2 pour battre ta star. La Russie. Bon, allez, je valide. Il y a des zones où il fait hyper froid, je valide. Finlande. J'accepte, 7. T'as égalité avec ta sœur? Non! Il me semble que dans le monde, il y a plus de pays chauds que froids. Donc c'est moi qui gagne. Non! La Groenland. Oui, allez, 8. Finlande. Tu l'avais déjà dit, mais ça fait 8. T'as battu Elina. Yes! 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 Amel, pour essayer de réduire l'écart, maintenant tu vas me dire les animaux qui vivent dans des endroits chauds.
Je suis très nulle à ça. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai trouvé. Girafe. Oui. Éléphant. Oui. Même pour des animaux, il y en a plus en été. Des zèbres. Oui. Comment qu'on se... Ah, j'allais dire un âne. Ah oui, hein. Ça compte. Hein. Des dromadaires, des chameaux. Oui. Des singes et des vautours. Oui, donc ça fait 8. Les serpents, oui. Ouais. Des rhinocéros. Oui, bon, ça te fait 10 là pour l'instant. Antilope. Ouais, ça te fait 11 pour l'instant. T'en as encore? Non. Bon, allez. Elina, tu devras battre 11. Alors, il y a l'ours polaire. Oui, 1. Le renard. Le renard polaire? Oui. 2. Le chamois. 3. Le narval. 4. Le pingouin. 5. Le manchot. 6. L'éléphant de mer. 7. Le phoque. 8. Le morse. 9, tu te rapproches d'Amélia. L'orque. 10. Le krill. 11 du coup. Non, il y en a plus d'autres. Il y en a plus. Wow, plus. Bah, t'as trouvé le krill en plus, il était très dur. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même 2, il y a Amélia là. Non, c'est plus dur, je pense, que de trouver des animaux froids que chauds. Hein, eh ben, même le pays. Hein. C'est plus dur. Hein. Bon, t'étais pas avantagé sur cette épreuve, mais t'as battu Amélia 2-1 quand même. 2-1. Voilà. Vous avez gagné un bon repas. Yes! Chaud, bien sûr. Ouais. Waouh, des belles fleurs à la gratine. Bon, je rapporte d'abord le plat de. Ah, Elena. Tiens, bon poisson frais. Il est très très frais le poisson. Oh my god. Regarde sa bouche. Quoi ça? Oh, regardez. En plus, il continue. Et pour Amélia, du bon poisson également. J'en veux plus. Et bon appétit. Oh, c'est chaud. Ah, ça c'est vraiment bon, hein. C'est plus pire que ah oui, ah qu'avant. Ah oui, vous avez vraiment dit qu'on allait avoir un bon dîner, hein. Bah, le poisson, il est frais, hein. C'est plus pire qu'avant. Il est super frais. Ah, et là, il est. Alors là, on peut le dire. Frais. Bah oui, alors. Ah, ah non. Et toi, je t'ai fait un petit tacos au poisson, si t'aimes ça. En vrai, mais ça va être. Ah, c'est chaud. Ah, mais je vais vraiment le couper, hein. Comment vous avez fait ça d'abord? Juste la question, comment? En plus, je suis sûre que vous savez comment on va faire. On va venir ici. On a fini, hein? Bah, vous avez même pas à manger un croc? Non, mais t'inquiète, ça. Pas trop envie, quoi. Ouais. Mais je suis allergique. Ouais, ça cause ça, la pizza d'Amélia, j'ai mal au ventre. Hein, quoi? La pizza de qui? À moi. À toi, oui, ok. Bon bah je suis déçu hein, j'ai rapporté le poisson de Norvège mais bon. Prenez-le. Oh je suis bien comme ça. Moi aussi Amélia, merci. Un seul pied qui est chaud et l'autre. Hop. La cellule c'est derrière les barreaux là, hop. Sinon je vais sortir la matraque et je vais te passer dessus là. 3. Bon allez, vous avez passé une dure journée, il est. Ah Amélia. Je vais te casser le bras. Hein. Ah, je vais te casser la jambe. Bon. Vous avez passé une très dure journée, les 21h. je vais chercher ma matraque là. Bon, du coup, j'éteins les feux. Je vous dis bonne nuit. Et ta main, elle va vite venir casser. On va déjà dormir. Papa, papa. Vous allez dormir, allez. Couverture? Non, il n'y a pas de couverture. Même pas glacé? Heureusement. Rien, nada. Allez, bonne nuit à vous. Bonne nuit.